al doctor Juan Zapata, al profesor Pascal Bisset, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. J'aimerais remercier pour commencer deux personnes très importantes. La première, c'est Alejandra María Toro Murillo, qui a eu la gentillesse de m'inviter dans cette université. Quisiera empezar por agradecer a dos personas muy importantes. La primera de ellas es a Alejandra María, directora del departamento de literatura de AFIT. Et la deuxième, c'est le personnage qui est à ma droite et qui tient le micro en ce moment, qui a accepté depuis 10 jours de me suivre dans toutes sortes de périples au Filbourg, à Bogota. Ici, on a donné plusieurs entretiens, plusieurs entrevues, des conférences ensemble, et il m'a suivi tout du long, et à chaque fois, je lui ai fait bouillir le cerveau, et je le remercie infiniment de sa gentillesse, et c'est lui qui a traduit le livre, et c'est grâce à lui que je suis ici. Donc, merci, Juan. Y la segunda persona que quisiera agradecer es a la persona que tengo aquí al lado, que tiene el micrófono en su mano y que me ha seguido durante todo este periplo de 10 días que empezó en Bogotá y que termina aquí en Medellín, que pasó por la Feria del Libro y que al que le he hecho casi explotar el cerebro. Alors, c'est un immense plaisir pour moi de faire cette dernière présentation en Colombie. C'est la première fois que je suis ici. C'est un magnifique voyage. Donc, c'est la dernière présentation. Je suis très, très heureux et très honoré de la faire devant vous et avec Juan. Estoy muy contento entonces de que la última presentación de este libro sea aquí, en este lugar, después de haber pasado una estadía maravillosa en su país. Alors, un tout petit mot d'abord sur la méthode de la présentation. Je vais comme... Vous le voyez, dire quelques mots, demander à Juan de les traduire au fur et à mesure, plutôt que de tenir de longs discours pour qu'ensuite il y ait une traduction. C'est un peu trop difficile, donc on a affiné un tout petit peu notre méthode au fur et à mesure. On s'aperçoit que c'est plus facile de traduire quelques phrases à la fois. Y quisiera antes entonces decir algunas palabras acerca del método que nosotros vamos a utilizar para que no sea tan pesado. Vamos a hacer traducciones de cortos segmentos. Lo que nos ha parecido que ha funcionado mejor es la técnica que hemos afinado poco a poco a lo largo de estas presentaciones. Donc l'ouvrage que je viens présenter aujourd'hui et qui est issu d'une recherche d'une vingtaine d'années sur les poètes maudits est un phénomène de croyance collective qui a impliqué de nombreux acteurs, de nombreux personnages fictifs et de nombreux objets. La investigación que me ha ocupado casi 20 años es una investigación sobre un gran relato colectivo que ha implicado diferentes agentes, diferentes actores que vienen tanto de la realidad histórica como de la ficción. Le personnage qui occupe le cœur de ce récit collectif a porté plusieurs noms au fil de l'histoire. On l'a appelé littérateur. On l'a appelé savant, on l'a appelé homme de lettres, on l'a appelé philosophe, on l'a appelé poète, on l'a appelé artiste, on l'a appelé écrivain. El héroe, el actor principal de este gran relato colectivo ha adquirido a lo largo de la historia diferentes nombres. Lo hemos llamado el literato, lo hemos llamado también el sabio, el filósofo perseguido, el poeta, el escritor maldito. Y on aurait pu continuer comme ça longtemps, Vates, voyant. Y sería los diferentes avatares que ha asumido este personaje a lo largo de la historia que encarna el mito. Podríamos continuar nombrando mucho más, el profeta, el visionario, etcétera. Des hommes très célèbres dans l'histoire ont été associés à ce récit collectif, qui sont devenus en quelque sorte des exemples, des figures célèbres, historiques, de ce récit collectif et qui ont pu l'incarner par leur histoire de vie, par leur biographie à certains moments. Une biographie qu'on a calquée sur le récit, évidemment. Pardon, Pascal, je non, me suis alors parmi les hommes célèbres, Homère, Socrates, Lethas, Galilée, Descartes, muchos hombres célèbres salidos de la historia, como los que podemos encontrar aquí, Homero, Sócrates, Tasso, Galileo, Descartes, etcétera, han sido puntos de referencia para este gran relato colectivo, que es el relato que yo quisiera contar el día de hoy. De l'autre côté, il y a des personnages
issus de romans qui ont été également associés à ce récit. Corinne de Madame de Staël, Stello de Alfred de Vigny, Louis Lambert et Lucien de Rubempré de Balzac de la Comédie humaine, Charles de Mailly des frères Goncourt, Jacques Vintra, Caïn Marchenoir, etc. Donc il y a toute une série de personnages fictifs complètement inventés qui ont été associés également à cette histoire, à ce récit. Bueno, entonces, por un lado tenemos a estos personajes históricos de los que hemos mencionado hace un momento, pero en este relato colectivo también encontramos, como lo decíamos hace un momento, diferentes figuras salidas de la ficción y que van a encarnar este relato. Esas figuras pueden ser como Corinne, Estelo de Vigny, Louis Lambert, Lucien de Rubempré, de Balzac, Charles de Mailly, Jacques Van Grasse et Caïn Marchenoir. Il y en a évidemment beaucoup d'autres, ce ne sont que qu'une toute petite sélection de personnages. Il se trata únicamente d'une pequeña sélection, mais si quisiéramos continuar, podríamos sacar muchos ejemplos más que ilustran este gran relato colectivo. Et ce qui est très, très important de comprendre, c'est qu'en fait, il y a une circulation. Donc, ce ne sont pas d'un côté des personnages historiques ou des acteurs de l'histoire et de l'autre côté des personnages de fiction. La manière dont on raconte dans les biographies, dans les éloges funèbres, dans les articles de presse, la manière dont on raconte la vie de ces hommes historiques se calque sur la fiction et inversement, la fiction évolue à peu près parallèlement. Il y a des manières de raconter et de dire qui sont propres aussi bien à des personnages historiques qu'à des personnages de fiction. Algo que debemos resaltar cuando hablamos de este gran relato colectivo es que hay una circularidad entre la ficción y la historia. De cierta forma, estos relatos ficticios van a inspirarse y harán alusión a estos personajes históricos, pero a la vez la ficción volverá sobre la historia y la historia sobre la ficción. Il y a donc des personnages historiques dans les années 1830, j'en parlerai un tout petit peu tout à l'heure, qui vont être poussés au suicide parce qu'il y a de grands modèles fictifs dans des romans qui ont transformé la biographie d'auteurs réels. Donc il y a une sorte de circularité et la fiction va en quelque sorte pousser des jeunes gens à commettre des actes parce qu'ils trouvent ça beau. Un ejemplo que podría ilustrar esta circularidad entre la historia y la ficción podría ser esa ola de suicidios que aparece a partir de 1830 y que son inspirados en suicidios ficticios y que estos autores tendrán de cierta forma, encontrarán que el suicidio será una bella forma de morir y para ello eso gracias a la ficción. Alors, c'est la première chose qu'il faut comprendre, c'est vraiment la circularité et la circulation des images, des représentations, des valeurs entre le fictif et le réel, l'historique. Así pues, la primera cosa que debemos comprender es esa circularidad entre la ficción y la historia de toda esta serie de anécdotas, representaciones, imágenes y discursos. Ce sont ici, j'ai dit que le mythe impliquait des personnages, des acteurs de l'histoire, des personnages de fiction. Il implique également un nombre incalculable de productions culturelles. He dicho hasta el momento que el mito encarna o el mito es encarnado por personajes de ficción y también por personajes históricos, pero habría también que mencionar que a esta escenografía del mito se asocian también diferentes objetos y lugares. Alors ici, ce n'est qu'une toute petite sélection de ces productions culturelles. On voit tout d'abord, il y a une toile, en fait, il y a deux toiles, l'une de mon voisin, l'autre, le nom m'échappe, mais ce qu'on voit, c'est la représentation vers 1835 de Chatterton, le poète anglais, qui s'est suicidé dans un grenier, qui a fait l'objet d'une pièce très célèbre de Alfred de Vigny, qui s'intitule Chatterton, donc qui a donné lieu à cette toile. Et ici, Raymond Monvoisin, en 1832, qui va peindre, représenter Nicolas Gilbert, le poète malheureux, l'exemple du poète malheureux dont je vais parler tout à l'heure, sur son lit de mort, en train de composer son ode imitée de plusieurs psaumes. C'est le papier qu'on voit tout au centre et la lumière y converge. Donc on a la peinture, on a la photographie, Verlaine au Café Procope, Artaud à l'asile, Victor Hugo sur le rocher des exilés. Donc, on a un nombre incalculable, pas seulement des textes finalement, mais également, et on pourrait ajouter à cela le cinéma, on pourrait ajouter à cela la production numérique,
Donc, c'est incalculable le nombre d'éléments qu'on pourrait inclure dans cette enquête. Algunos ejemplos de esos lugares que están asociados al mito y que yo quise mostrar aquí podrían ser como estas dos pinturas. La pintura de arriba vemos a Chatterton, que era un personaje real, pero también ficticio, puesto que Alfred de Vigny escribe una pieza de teatro en 1834 titulada Chatterton. Podemos ver allí entonces al poeta en su suicidio en la mansarda. Podemos ver también aquí en esta pintura de 1832 una representación de Gilbert en su lecho de muerte y en la mano están sus adioses a la vida. Podemos ver también otro de esos lugares que se puede asociar al mito, que es aquí el café, en donde se encuentra Verlaine, en el café Procot, pero también puede ser el hospital psiquiátrico o el asilo psiquiátrico, en donde tenemos aquí una imagen de Artaud. Y por último, otro de los ejemplos que quería mostrarles de esos escenarios que se asocian al mito es la roca de los proscritos, en donde Víctor Hugo se va a tomar una serie de fotos tomadas por su hijo, y lo vemos aquí en esta foto. Alors, on voit en même temps, à travers ce tout petit échantillon de production culturelle, on voit quand même des lieux essentiels associés au mythe de la malédiction littéraire, aussi bien qu'à la bohème. On voit le grenier. Donc, le grenier solitaire est l'un des mythes où convergent systématiquement les histoires qu'on raconte sur les poètes. Le poète seul dans son grenier, qui signale sa pauvreté et sa solitude, et en même temps son élévation par rapport aux hommes. Donc, il occupe les greniers, c'est-à-dire la pauvreté et la solitude, mais en même temps, il occupe le lieu le plus élevé et le plus proche des cieux. Es interesante de señalar en estos lugares que están asociados al mito, por ejemplo, la mansarda que será asociada al genio solitario y que muere en su lecho, y que también será un lugar asociado a la bohemia. Y esta mansarda, lo interesante de ver es que, si bien es cierto, se encuentra allí la figura del poeta solitario y que muere en la miseria y en la pobreza, ocupa un lugar preponderante, puesto que las mansardas están ubicadas en lo alto de los edificios, finalmente. On voit ensuite, qu'est-ce qu'on voit? On voit le rocher, alors qui signale à lui seul la question de l'exil. La question de le très très grand exilé du 19e siècle, c'est Napoléon Ier. Napoléon Bonaparte, qui va être d'abord envoyé sur l'île d'Elbe, et qui, après son retour des 100 jours en France et la perte, la chute après Waterloo, va être exilé sur le rocher de l'île Sainte-Hélène. Donc, on appelait l'île Sainte-Hélène le rocher. Et quand on représente Victor Hugo... Ça c'est l'inverse. Quand on représente Napoléon au 19e siècle sur les lithographies, on le représente debout sur un rocher, tenant tête au vent et regardant vers l'Europe, mais évidemment, sans pouvoir le voir. Et otro de esos objetos asociados entonces al mito, como lo mencionábamos hace un momento, es la roca de los proscritos. La roca de los proscritos es en sí misma, gracias a una figura, que es la figura de Napoleón, la que señala e ilustra el exilio. Uno de esos grandes exiliados entonces del siglo XIX fue Napoleón. Como ustedes saben, él fue exiliado a Santa Elena, isla que fue llamada la roca, es decir, señalando justamente su exilio. Y, perdón, quería terminar con esto porque no he traducido la última parte. Y en esta roca Napoleón se representaba, y muchas de las representaciones que nosotros conocemos de Napoleón es Napoleón parado sobre esa roca con una postura así mirando hacia Francia. Evidentemente no la podía ver, pero es así que se le representaba. Le rocher représente, en fait, il symbolise, il connote à la fois l'exil et il connote également la pauvreté, la dureté de l'expérience de l'exil. Y la roca, entonces, la roca simboliza dos cosas, por un lado la pobreza y por el otro lado la dureza del exilio. Et sur cette photographie que Victor Hugo a scénarisé, a mis en scène, c'est lui qui il a envoyé son fils Charles Hugo pour être formé à la photographie. C'est complètement nouveau. Il fallait qu'il prépare les plaques avec du collodion, avec du blanc d'œuf, tous les soirs,
pour préparer la séance de photographique du lendemain. Et ensuite, il fallait maintenir la pause pendant plusieurs minutes pour que le soleil inscrive l'image sur la plaque. Donc, le processus photographique en 1851 était extrêmement long. Et chacune des séances photographiques devait être pensée très longuement, devait être scénarisée. Donc, Victor Hugo, il est très conscient ici de ce qu'il fait. Hay que señalar una cuestión técnica para comprender esta puesta en escena que hace el autor, esta puesta en escena calculada, y es que la fotografía de 1851 requería una serie de dificultades, entre ellas, por ejemplo, que aquel que va a posar tendría que posar durante mucho tiempo, de manera que esto nos muestra que Hugo era completamente consciente de esa puesta en escena que él hacía de sí mismo en esta roca. Un dato anecdótico es que Víctor Hugo enviará a su propio hijo a estudiar fotografía a París mientras él está en el exilio para que él aprenda estas técnicas y pueda volver a fotografiarlo a él. Alors, on va pas faire le tour de toutes les photographies, mais pour ne reprendre que les deux seules dont on vient de parler, elles signalent à la fois le malheur, un malheur immense, la solitude, la dureté, l'étroitesse de la chambre, le galta, hein, c'est le galta sur lequel meurt Chatterton. Et ici, c'est la solitude de l'exil qui s'oppose à la ville, donc on a la solitude contemplative. Mais dans les deux cas, la lumière, on voit finalement l'élévation du grenier et en même temps la fenêtre qui est ouverte, qui signale en quelque sorte l'échappée de l'âme, donc son élévation vers les cieux. Et ici, c'est la même chose, le soleil frappe le front. Le soleil arrive dans la photographie par ici et il frappe le front du poète, qui est le siège du génie et de l'invention. Es interesante señalar en estos dos ejemplos que hemos comentado que el infortunio y la desgracia del poeta está entonces en estos dos lugares asociada a esta mansarda, una mansarda que de todas formas tiene una ventana abierta y que muestra o simboliza de cierta forma la manera en que el poeta después de la muerte podría escapar y donde entra el sol. Y aquí podríamos mirar también cómo el sol pega de frente en este gran cráneo de Víctor Hugo y eso simboliza también de cierta forma la inspiración. Alors, quand j'ai commencé mes recherches sur les poètes maudits, mon objectif était de comprendre à partir d'un travail antérieur que j'avais fait sur Émile Nelligan, un poète maudit canadien du tout début du 20e siècle. Je souhaitais comprendre la façon dont il l'avait incarné le poète maudit au Canada, à la façon de Verlaine et de Rimbaud. Cuando yo comencé mis investigaciones sobre el mito de la maldición literaria, empecé por analizar el caso de Nelligan, un poeta canadiense que había encarnado y transferido el mito de la maldición literaria en Canadá. Mais au fur de mes recherches, je me suis rendu compte que quand je cherchais l'origine de ce récit, il fallait constamment reculer dans l'histoire. Il fallait constamment reculer. Il y avait toujours un état antérieur au poète maudit. Donc que finalement, le poète maudit n'était qu'une figure particulière, renvoyant à plusieurs exemples historiques et fictifs, mais qu'il n'était qu'un avatar parmi beaucoup d'autres qui avaient existé auparavant. Victor Hugo, 1850, Chatterton, 1830, Gilbert, 1780. Cuando entonces yo comencé mis investigaciones sobre el mito, me di cuenta que cada vez tenía que volver hacia atrás y hacia atrás, puesto que habían diferentes avatares que habían a lo largo de la historia encarnado este gran relato colectivo que yo quería contar, que era el relato del infortunio del poeta. Por ejemplo, Chatterton en 1834, Víctor Hugo en 1851, Nicolas Gilbert en 1772. Donc, partant des poètes maudits de Verlaine, donc c'est la série de l'ouvrage paraît en 1883, il frappe l'imagination avec une expression extrêmement puissante, les poètes maudits, qui va rester ensuite ultérieurement. Tout au long du 20e siècle, on va continuer de publier des recueils de poètes maudits, c'est-à-dire des histoires, des,
des histoires, historia calamitatum, donc des, vraiment des histoires de malheurs d'écrivains qu'on va associer à cette expression. Mais ce n'est toujours qu'une expression. Il y en a d'autres avant, il y en aura d'autres après. Por ejemplo, podríamos citar la antología que realiza Paul Verlaine bajo el título de Los poetas malditos en 1883. Esta antología suscitará a lo largo del siglo XX diferentes poemarios y antologías que recopilarán la vida y los poemas de otras figuras que encarnarán la maldición literaria. Sin embargo, este era un ejemplo nada más en la figura del poeta maldito, de lo que podríamos llamar de una manera más amplia el mito de la maledicción literaria. Era un solo avatar de este gran relato colectivo. Alors, la première étape, la vraie première étape de ma recherche a été de comprendre qu'est-ce qui était commun à l'ensemble de ces figures et à tous les récits qu'on racontait sur le compte de ces écrivains fictifs ou réels. De ahí que la primera etapa de mi investigación fuera intentar encontrar aquellos fundamentos, aquello que tenían en común todos estos diferentes avatares del poeta maldito, o de la maledicción literaria, perdón. Et donc c'est pour ça que je suis passé de l'expression qu'on utilisait jusqu'alors dans l'histoire littéraire de mythe du poète maudit, à mythe de la malédiction littéraire, qui était beaucoup plus englobante et qui englobait celle du poète maudit. De ahí que yo tuviese que cambiar esa expresión inicial, que era la expresión de poeta maldito que había consagrado Verlaine, por la expresión de maledicción literaria, puesto que esta expresión me permitía englobar diferentes figuras que habían encarnado el mito. Une fois après avoir compris finalement qu'il fallait regarder la forêt de tous les textes et de toutes les productions culturelles plutôt que chacun des arbres à la fois, il fallait trouver ce point commun. Et ce point commun, c'est la connexion argumentative, en fait, qui sous-tend les argumentations dans des essais, dans des biographies ou dans des textes satiriques. Donc, la conjonction entre le malheur d'un auteur donné et la valeur d'une œuvre donnée. C'est ça qui constitue le cœur, le noyau topique de l'ensemble des histoires et des productions culturelles et des arguments qu'on tient sur les poètes maudits. Finalmente, entonces, cuando se mira desde la altura, cuando se ve el bosque en su totalidad, en lugar de ver cada árbol particular, me di cuenta que lo que subyacía, o lo que subyace, perdón, era un núcleo tópico que podría explicar todas aquellas ramificaciones del mito. Y ese núcleo tópico era la relación entre, por un lado, el infortunio o la desgracia, y por el otro, et la grandeza. Je rectifierai un tout petit mot que tu as utilisé, c'est-à-dire qu'il n'explique pas ce noyau topique, il n'explique pas les productions, il les sous-tend. C'est finalement à l'herméneute que revient dans un deuxième temps la fonction d'expliquer la variation dans chacun des textes et des productions culturelles de la topique sous-jacente. Entonces, una corrección que quería hacer Pascal Brisset a un término que yo utilicé, que fue el término de explicación, él quisiera señalar que hay un tópico, que ese tópico que subyace, que es la conexión en la que hablamos desde hace un momento entre infortunio y grandeza, esa conexión subyace en estos diferentes relatos particulares y que es el exégeta, más bien el intérprete, el hermeneuta, el que va a explicar en ya cada caso particular ese núcleo tópico, que lo va a hacer emerger en la singularidad de cada caso. Merci beaucoup. Alors, ce noyau topique va donner lieu au fil de l'histoire, et je vais expliquer tout à l'heure pourquoi je commence là, va donner lieu à différentes grandes figures cardinales de la malédiction. Donc on va, si je dis poète malheureux, il est possible que vous voyez immédiatement les différents poètes du romantisme émerger. Si je dis poète maudit, vous allez immédiatement avoir des images plutôt fin siècle avec Verlaine au Café Procope. Si je dis poète mal pensant,
Ah, vous allez voir peut-être des poètes plus contemporains qui se donnent comme fonction de choquer nos contemporains, nous choquer et de nous amener à penser différemment. Donc, chaque figure correspond à des états différents du mythe et du récit collectif. Cada figura, por ejemplo, si yo dijese aquí poeta maldito, ustedes asociarían esta figura a ciertos nombres, como el nombre de Verlaine en el Café Procot. Pero si yo les dijera a ustedes poeta mal pensante, ustedes ya lo asociarían tal vez con otros poetas a lo largo del siglo XX. Sin embargo, lo interesante aquí es ver que esas son dos expresiones, dos etapas diferentes de ese nudo tópico, de esa asociación de la que yo estoy hablando aquí, que es la asociación entre el infortunio por un lado y la grandeza por el otro. Donc la première étape qui consiste à comprendre, finalement à s'éloigner de chacun des éléments singuliers, des productions culturelles singulières pour comprendre l'ensemble, doit se doubler d'un deuxième geste qui est un geste herméneutique et qui consiste à revenir à chacune de ces productions-là pour comprendre la manière spécifique qui implique une compréhension du genre, qui implique une compréhension de la forme, qui implique la compréhension de la manière dont elle s'intègre dans une tradition. Donc, il y a toutes sortes de variantes qui demandent à être lues pour comprendre le type de variation donnée, le type d'avatar donné sur une topique donnée. Tal vez sea entonces importante hacer una precisión metodológica aquí. Por un lado, tenemos entonces ese distanciamiento que nos permite a nosotros ver ese núcleo, esa asociación tópica que es común a estos diferentes relatos. Esta sería la primera etapa de la investigación. Y habría una segunda etapa que nos permite ir ya a cada caso particular para mirar la singularidad de cada caso, singularidad que evidentemente tiene que ver con la elección de un género, por ejemplo, de un estilo, incluso de un soporte de publicación. Y esa segunda etapa es la etapa ya de el hermeneuta, una etapa también que se realiza gracias al análisis del discurso. C'est ça. Donc, il y a un geste qui relève de l'histoire culturelle et il y a un deuxième geste qui relève de l'herméneutique, de la compréhension fine des textes et de la... C'est ça. Entonces hay un primer gesto que es un gesto puramente de la historia cultural, que sería esa primera etapa de la que hablamos, y un segundo gesto que ya pertenece a la análisis e interpretación, es decir, al hermeneuta que va a mirar cómo se singulariza este tópico en cada caso particular. Donc dans un premier temps, on cherche à trouver les invariants. Et dans un deuxième temps, on cherche en fait à trouver les variantes fondées sur ces invariants culturels qui sont propres au récit collectif. En una primera etapa, entonces estamos buscando aquello que no varía, aquello que permanece, y en una segunda etapa estaríamos buscando las variaciones en cada caso particular. Alors, on va commencer la présentation, enfin, qui est commencée bien sûr. Ahora sí, vamos a comenzar la presentación. C'était une longue introduction. Larga introducción. Pour en venir, en fait, à aborder dans un... Donc, il y a trois principales parties à la présentation. La première va être de tenter de comprendre dans une perspective diachronique l'évolution, donc, du mythe. Hay vamos a dividir esta exposición en tres partes y la primera parte consiste en comprender la evolución diacrónica del mito. Dans un deuxième temps, on va s'arrêter à une compréhension synchronique, c'est-à-dire qu'on va arrêter de regarder les variantes dans un point de vue évolutif et on va plutôt tenter de voir le système. Y en una segunda parte vamos a adoptar una perspectiva sincrónica, es decir, vamos a dejar de ver las variantes a lo largo de la historia de este mito para encontrar ese nudo tópico, esa asociación de la que hablábamos hace un momento. Y si on en a le temps, il y aura une troisième partie, on n'a pas eu le temps de la faire la dernière fois. Pero esta vez sí tendremos el tiempo. Y si hay una tercera, y si hay tiempo suficiente, habrá una tercera parte en la que... qui portera sur la raison qui fait que, vers la fin du 18e siècle, les topiques qui évoluaient jusque-là séparément se cristallisent en un mythe, en un récit collectif fondé sur des croyances.
Y en la tercera parte, entonces hablaremos sobre esas razones por las cuales el mito se va a cristalizar en un momento de la historia. Alors, j'en viens à la première partie, qui est la question de l'évolution, c'est-à-dire quelles sont les grandes figures cardinales qui ont jalonné l'histoire du mythe. Volvamos pues a esa primera etapa en la que vamos a hablar de las diferentes figuras cardinales que han empujado al mito a lo largo de la historia. Alors, la première, c'est celle du poète Crotté, qui ne, disons, on va appeler ça la préhistoire du mythe, donc je vais m'expliquer. Le poète Crotté, le philosophe persécuté, le génie malheureux, le poète maudit et le poète hors la loi. Et voy entonces a hablar de cinco figuras. La primera figura es la figura del poeta andrajoso. Es una figura que de cierta forma hace la protohistoria del mito de la maldición literaria. La segunda figura será la figura del genio desdichado. La tercera la segunda figura es la figura del filósofo perseguido. La tercera figura es la figura del poeta desdichado. La cuarta figura es la figura del poeta maldito. Y la quinta figura será la del poeta en rebelión contra la sociedad, el poeta fuera de la ley. Donc ce sont des grands avatars, ça ne veut pas dire qu'entre ça, il y en a d'autres. C'est-à-dire, ce sont des avatars qui ont été en quelque sorte cristallisés dans des œuvres littéraires ou des toiles, des peintures qui nous ont vraiment frappés et qui ont frappé notre imaginaire et que l'histoire littéraire et culturelle a retenu. Mais ce ne sont pas les seuls. Estos cinco avatares que yo voy a abordar el día de hoy no son los únicos. Sin embargo, son aquellos que han impactado más en la historia colectiva, en la historia literaria. Y hay algo que se me escapó. ¿Cómo? Exacto, la idea, no son los únicos, pero son cinco avatares que yo voy a abordar, cinco avatares que no solamente han impactado, son los que más han impactado, sino que se han sucedido o que han sido simultáneos a lo largo de la historia y que en momentos también, Pascal, se han encontrado en el mismo tiempo, ¿no? Han compartido la escena literaria. Alors, la première des figures qui relève en quelque sorte de la proto-histoire et contre laquelle va se construire la première vraie figure de notre mythe, c'est celle du poète Crotté. Esa primera figura que constituye lo que podríamos llamar la proto-historia del mito y contra la cual se va a posicionar la siguiente figura es la figura del poeta andrajoso. Cette figure appartient à un temps, l'âge classique, où la pauvreté d'un auteur donné faisait rire. Y esta figura pertenece a un momento de la historia. Este momento de la historia es la edad medieval, en el que la pobreza no era un objeto de valorización, la pobreza hacía más bien reír, era algo cómico. Tout au long des siècles, on va voir apparaître des satires qui portent sur la pauvreté des auteurs et qui ne sont pas là nous donner à penser que cette pauvreté est liée à une forme de valeur donnée, à une grandeur ou à une authenticité. Hay toda una serie de relatos entonces que van a poner en escena al poeta andrajoso y en los cuales la pobreza no va a ser valorizada, no será asociada a la grandeza, sino que será más bien vista de manera despectiva y que es la que suscitará la burla y la burla, sí, perdón. Donc on a d'un côté par exemple dans les satires de Juvenal ou dans les poèmes d'Horace, dans les odes d'Horace, des plaintes du poète qui dit en gros, qui se plaint des grands et des puissants de ce monde, qui refuse de donner de l'argent aux poètes. Il va les traiter de pingres. À ce moment, je disais que cette figure était en l'âge, mais ça ne le disait pas Pascal. Pero esta figura del poeta andrajoso es una figura que viene desde la edad clásica. Por ejemplo, las sátiras seguirá también a lo largo de la edad media, pero que desde la edad clásica, por ejemplo, las sátiras de Juvenal eran unas sátiras que mostraban, que estaban orientadas justamente a mostrar ese lado ridículo, risible y cómico de la pobreza.
Et ces plaintes vont traverser les siècles. Pendant le Moyen Âge, au 16e, au 15e, 16e, même au 17e siècle encore, on se plaint des mécènes qui, en fait, ne payent pas, ne protègent pas. On leur donne de l'encens, on les chante dans nos poèmes et ils ne nous donnent rien en retour. Era en Juvenal también lamentaciones en las que el poeta se queja de su mecenas, puesto que este no retribuye a través de recompensas la labor del poeta. Alors, appelons ça la plainte inefficace des poètes. Y llamemos esta la lamentación ineficaz del poeta. Et on va se plaindre, mais cette plainte, elle est inscrite dans une relation, clientéliste entre le poète et le mécène qui est supposé protéger. Yo traduje lamentación, pero la buena palabra sería la queja. Est-ce que tu peux répéter ce que tu as dit tout Oui, donc c'est une la plainte, donc cette façon de se plaindre des mécènes, ça s'inscrit dans une relation historique qu'on peut étudier d'un point de vue sociologique comme une inscription spécifique d'une forme dans une relation clientéliste. Donc le poète est le client de son patron. Esta queja del poeta hacia su protector es una queja que podría inscribirse en una larga tradición que asocia al poeta a su protector, finalmente. Mm-hmm. Exactement. Et la deuxième forme qu'on voit apparaître et qui va être associée au poète crotté, c'est une forme plutôt comique. Donc, c'est dans les satires davantage qu'on va voir apparaître dans les pièces de théâtre comiques et dans les satires où on va voir apparaître le poète crotté, donc celui dont on se moque. Donc, le poème va consister à rire d'un poète plus crotté que soi. Entonces, si por un lado teníamos ese género, la buena traducción es esa, es el género de las lamentaciones, en la que el poeta se queja, puesto que el protector no retribuye su trabajo, tendremos también otro tipo de género, que es el de la sátira, y es en esa sátira en donde se burla de la pobreza, pero la idea es burlarse de la pobreza del otro para mostrar que mi pobreza tal vez no es tan pobre como la de los demás. Et dans ces textes, dont je vais donner deux exemples après, mais dans ces textes, ce qui est important de comprendre, c'est que la pauvreté est le signal d'une médiocrité. Y es importante señalar entonces que en aquellos textos, en aquellas sátiras, la pobreza es una señal de mediocridad. Donc deux textes parmi beaucoup d'autres, donc le poème de Saint-Amand du XVIIe siècle, de 1629, qui s'intitule « Le poète crotté ». Et le deuxième, je l'ai ménagé ta mémoire, le deuxième de Voltaire au 18e siècle, 1758, qui s'intitule « Le pauvre diable ». Et deux exemples de cette sátira seraient la sátira de Saint-Amand, qui pertenece au siglo XVI. Mm-hmm. 1629. Alors, siglo XVII, 1629, y el otro ejemplo sería la sátira de Voltaire, que fue escrita en 1758. Dans les deux cas, donc, on a à un siècle de distance, un siècle et demi de distance, deux figurations d'une topique qui associent clairement la médiocrité, la bassesse morale et esthétique à la pauvreté. Entonces, con un siglo de distancia entre el texto de Saint-Amand y el texto de Voltaire, podemos ver dos textos que van a asociar la pobreza no solamente a la mediocridad, sino también a la bajeza. Et la leçon la bajeza moral y de espíritu. La leçon de Voltaire, par exemple, dans Le pauvre diable, à la fin, c'est en gros, si vous n'avez pas de talent et que vous n'avez pas d'argent en plus, ne faites pas de la littérature. En pocas palabras, la lección de la sátira de Voltaire titulada El pobre diablo es que si usted no tiene ni talento ni dinero, pues lo mejor es que no haga poesía, que no escriba poesía. La première figure qui va vraiment s'inscrire dans notre mythe et qui va être investie de valeur, donc qui va renverser, en fait, qui va associer une première fois fortement le malheur d'un type d'écrivain donné, d'homme de lettres donné, et un premier type de valeur donnée, c'est celle du philosophe persécuté.
La primera figura entonces que va a asociar el infortunio y la desgracia a un valor positivo será la figura de el filósofo perseguido. Elle apparaît dans au tout début, à la fin des années 1750, donc à peu près au moment où Voltaire écrit son Pauvre Diable, et au début des années 1760, au moment où l'encyclopédie, la grande entreprise philosophique du 18e siècle des Lumières, l'encyclopédie des arts et des sciences d'Alembert et de Diderot, va se voir retirer le privilège d'impression et ses auteurs persécutés par le pouvoir. Entonces, esta figura del filósofo perseguido que aparece al mismo momento en que Voltaire escribe su sátira El Pobre Diablo, aparecerá entonces en la década de 1750 y después en la década de 1760, que es cuando los enciclopedistas, esa gran empresa de los filósofos del siglo XVIII, se verán como los derechos de impresión les son retirados por el poder real y por lo tanto se verán en situación de persecución. C'est à ce moment-là, en 1760 et très exactement, que Voltaire va publier une première pièce de théâtre qui porte sur Socrate. Et cette pièce de théâtre va donner lieu à une série d'autres pièces de théâtre et de discours, d'essais sur Socrate. Pourquoi? Parce que Socrate représente la figure du sage antique qui s'est fait persécuter par le pouvoir et que la postérité a récupéré et revalorisé, dont il a reconnu le génie. Et uno, entonces, Voltaire escribirá entonces en esa época una pieza de teatro, mais Socrate, c'est pas le titre de la pièce. Oui. C'est le titre de la pièce. Entonces, Voltaire escribirá para esa época una pieza de teatro que titulará Sócrates, una pieza de teatro que generará toda una serie de piezas diferentes que tienen todas en común la alusión a Sócrates como ese gran filósofo perseguido y que murió y será recuperado, reivindicado, valorizado por la posteridad. Parallèlement à la publication de ces pièces, il va y avoir 7 différentes pièces portant sur Socrate dans la période de 1760 à 1817. En la période, solo para dar un ejemplo, entre el periodo de 1760 y 1816, 1810, 1817 à peu près. 1817, en 1817, entre ese periodo vamos a poder ver 7 obras de teatro que retomarán el mismo tópico del que estamos hablando de Sócrates como el sabio perseguido. Il fallait vraiment vouloir représenter Socrate parce que Socrate est le sujet le moins dramatique qui puisse être. C'est quelqu'un qui s'assoit sur un lit, qui parle et qui va avaler la ciguë et qui va mourir. Donc, ce n'est pas du tout un sujet tragique ni dramatique. Ce n'est pas un sujet qui puisse donner... Mais on avait tellement besoin de cette figure-là, la figure parfaite du sage persécuté, qu'on a malgré tout fait ces pièces dont aucune, évidemment, n'a passé à la postérité. Algo interesante a señalar es que Sócrates, que representa al sabio perseguido, no tiene nada de dramático, puesto que Sócrates va a soportar estoicamente su persecución y su muerte, pero sin embargo, aunque no represente ninguna drama, Sócrates tendrá... o los filósofos en ese momento tendrán que acudir a la figura de Sócrates porque requerían finalmente, necesitaban de esa figura, aunque no representara realmente una posibilidad, Sócrates no representara realmente el drama que se necesitaba, pero se requería su figura. Donc parallèlement, donc ça n'est qu'un exemple, ce n'est qu'un exemple sur une seule des figures, mais si on va lire l'article philosophe dans l'encyclopédie, si on va lire le dictionnaire philosophique de Voltaire, si on va, il y a toute une série de productions culturelles dans les années 1760 et 1770 et au-delà qui vont asseoir cette révélation, cette chose qu'on semble apprendre et qu'on semble réaliser pour la première fois et à laquelle on associe toute une série de philosophes du passé qui ont été persécutés, Pierre Bayle,
René Descartes et plein d'autres. Donc, on va créer une sorte de martyrologe philosophique. Sócrates no es más que un ejemplo. Podríamos mencionar el ejemplo de muchos otros filósofos perseguidos. Lo importante es que entre 1760, 1770 e incluso más allá, vamos a construir todo un martirologio de sabios perseguidos. Donc il y a à ce moment-là un transfert en quelque sorte du sacré. On réutilise et on réemploie des formes et des connexions fortement liées tout d'abord aux philosophes stoïciens et également aux discours chrétiens, et on va les associer à la figure du philosophe du 18e siècle, dont le malheur de la persécution révèle la valeur de la pensée. Lo importante de señalar aquí es que hay varios relatos en que se van a asociar. Lo importante es señalar que hay una asociación entre la desgracia y el infortunio y la grandeza del hombre. Je manque une toute petite chose parce que je suis parti loin. C'est stoïcisme. Ah, perdón, perdón. Y era muy importante. Era muy importante, por supuesto. Entonces, estos relatos de los que estamos hablando. Entre la década de los 60 y 70, se calca, se retoma, se transfiere de la tradición estoica clásica por un lado y de la tradición cristiana por el otro. Es de esas dos tradiciones que surgirá ese núcleo tópico del que estamos hablando nosotros, que asocia el infortunio y la desgracia con la grandeza. J'en viens parce que il faudra parler tout à l'heure finalement de Jean-Jacques Rousseau qui va avoir incarné cette double tradition et qui va être l'incarnation historique de toutes ces topiques qui se cristallisent. Mais j'y reviendrai tout à l'heure lorsqu'on parlera de persécution et des topiques sous-jacentes. Cuando hablemos de otros tópicos, no solamente de la persecución, el de la pobreza, etc., yo voy a volver sobre un personaje que va a cristalizar estas dos tradiciones, la tradición estoica por un lado y la tradición cristiana. Este personaje es Jean-Jacques Rousseau. Dans les années 1770, la crise dans laquelle était plongé le clan philosophique s'estompe fortement. Il y a de très puissants protecteurs à la cour de France qui vont convaincre le roi de rendre le permis, le privilège d'impression. Et il y a D'Alembert qui va devenir le secrétaire perpétuel de l'Académie française. Donc les philosophes vont accéder aux places de pouvoir. Recordemos que en 1770, como lo habíamos mencionado hace un momento, los filósofos se encontraban en una situación delicada, puesto que se les había retirado el derecho real de impresión. Sin embargo, hay personajes muy poderosos que van a interceder por los filósofos ante el rey para que se le devuelva el principio, ese privilegio de publicación a los filósofos, y finalmente estos filósofos van a acceder a las posiciones dominantes de poder. Y un ejemplo de esto será cuando D'Alembert es nombrado secretario de la Academia Francesa. Je vais accélérer un tout petit peu et je suis sûr que Juan va m'en savoir gré. Vamos a acelerar un poquito porque nos queda un poco de tiempo y apenas estamos en el primer tópico y nos quedan otros dos. Alors, j'en viens à la deuxième figure, celle du génie malheureux. La segunda figura, claro. Oui, on va peut-être laisser tomber la... Il nous manque beaucoup. Oui, on laisse tomber la troisième. On va laisser tomber la troisième, mais aussi peut-être la dernière des figures. Pour être hors la loi. D'accord. OK. Alors, la deuxième des figures est celle du génie malheureux. Elle émerge en 1772. Donc, au moment même où les philosophes accèdent aux places de pouvoir, émerge cette deuxième figure, celle du génie malheureux. La segunda figura de la que quisiera hablar, figura que el segundo avatar que va a encarnar este relato colectivo, que es la maldición literaria, es el genio desdichado. Esta figura surge en 1772, al mismo momento que los enciclopedistas, los filósofos, están ocupando el lugar principal de la escena literaria.
Elle coïncide et elle va vivre, elle va évoluer, elle va croître en quelque sorte en importance parallèlement à celle du philosophe persécuté. Il n'y a pas passage d'une figure à une autre, mais il y a superposition avec dominante, mineure et ensuite progression et disparition de la précédente ou en tout cas relégation dans un second plan. Es importante saber que estos dos avatares no se anteponen, es decir, que uno hace desaparecer al otro. Todo lo contrario, pueden estar compartiendo la escena literaria en un mismo momento. Entonces, como lo decíamos, el filósofo perseguido ocupa el frente de la escena y esta figura emergente es la figura del genio desdichado. Cette deuxième figure, celle du génie malheureux, elle coïncide avec un titre aussi frappant que celle des poètes maudits plus tard avec Verlaine. Le titre, c'est un poème de Nicolas Gilbert, dont on a vu une toile tout à l'heure. Je vous expliquerai pourquoi on l'a représenté comme ça. Donc, c'est un poème de Nicolas Gilbert qui s'intitule « Le génie aux prises avec la fortune » ou « Le poète malheureux », publié en 1772. Entonces, uno de los textos fundamentales en los que se van a ver, en los que va a emerger esta figura del genio desdichado, es el texto de Nicolás Gilbert, que nosotros lo vimos en una fotografía muriendo en su lecho de muerte hace un momento, que se titula El genio frente a los impases de la fortuna o El poeta infortunado, texto que fue publicado en 1772. Alors, ce poème, il est publié, il a d'abord été présenté à un concours académique. L'académie qui est maintenant dirigée par D'Alembert, la figure du philosophe par excellence. Este texto fue presentado a un concurso de la academia y fue rechazado por D'Alembert, que era para ese instante, como lo habíamos dicho, secretario de la academia francesa. Et il ne remporte pas le prix. Alors, plutôt que de simplement accepter le verdict de l'académie, Nicolas Gilbert va publier son poème à compte d'auteur et il va y ajouter une préface où il va attaquer les philosophes. Et puesto que su texto no recibe el premio de la academia, lo que va a hacer Nicolas Gilbert es autopublicarse, publicar ese texto por sí mismo, pero con un prefacio en el cual va a atacar a la figura de los filósofos. Et donc, c'est vraiment le combat de David contre Goliath. Nicolas Gilbert est un petit personnage que personne ne connaît, mais il va accéder à la lumière, il va être mis en valeur et en lumière par ce geste d'éclat, parce qu'il s'attaque, il le dit texto, à D'Alembert, à Voltaire, qui corrompent le goût du siècle, le bon goût. Es realmente el combate entre David y Goliat. Gilbert es un pequeño enfrentándose a un gigante. Sin embargo, es este prefacio el que va a permitir que Gilbert salga a la luz, puesto que allí ataca a Voltaire, a D'Alembert, a todo el clan de los filósofos. Ce geste d'éclat va lui permettre d'intégrer la filière des antiphilosophes qui est protégé par de très très grands personnage à la cour, l'archevêque de Paris, Monsieur de Beaumont, Monseigneur de Beaumont, et la sœur du roi, Marie de France. Este gesto que hace que Gilbert salga de la sombra va a permitirle que sea protegido por dos personajes importantes de la corte y que se inserte en las filas opuestas, es decir, en las filas que se oponen a los filósofos. Alors, il va acquérir comme ça des protecteurs très puissants, Monseigneur de Beaumont et la sœur, et il va acquérir du coup des pensions royales. Donc, on va lui donner une pension sur un journal. Les journaux pouvaient verser des pensions sur le Mercure de France. On lui verse des pensions et on le sort de la pauvreté. Finalmente, esta estrategia de Gilbert que vimos en el prefacio poniéndose al clan de los filósofos va a portar sus frutos, puesto que él será protegido por unos mecenas y recibirá una pensión real que le permitirá salir de la pobreza. Mais quelques années plus tard, en 1780, Nicolas Gilbert, qui n'est plus du tout dans la pauvreté, va se promener à cheval et va faire une chute de cheval, il va se faire très très mal et il va devoir être trépané. Donc il se fait opérer au cerveau, on lui enlève une partie du cerveau et il va devenir fou
Il va avaler une clé, il va s'étouffer, il va mourir en 1780. En 1780, después de haber recibido su pensión real, va a ocurrir un hecho fundamental para el desarrollo del mito del poeta, para el desarrollo de la figura del genio desdichado. Y es que Nicolás Gilbert va a sufrir un accidente, una caída de caballo que va a propiciar en él un golpe demasiado fuerte y que de cierta forma va a propiciar también su locura, puesto que Gilbert va a tragarse una llave. Y esta llave va a hacer que se asfixie. Les philosophes, notamment un des philosophes que l'histoire n'a pas retenu, mais qui s'appelle La Harpe, va se moquer dans les journaux de Nicolas Gilbert en disant qu'il avait trop bu de vin et qu'il s'est étouffé avec sa colère et sa honte. Un ejemplo de la reacción del clan de los filósofos, por ejemplo, La Harpe, es un texto en el que él se va a burlar de Nicolás Gilbert diciendo que no fue una llave, sino que más bien se asfixió de tanto beber vino. Parallèlement, donc, ce qu'il faut savoir de Nicolas Gilbert, c'est qu'il a publié avant de faire sa chute de cheval, donc environ 8 semaines, 2 mois avant de faire cette chute de cheval, il a publié dans un journal une ode, parce que c'est un poète chrétien, hein, qui est protégé par le clan des antiphilosophes, il a publié une ode qui s'appelle l'ode imitée de plusieurs psaumes. Et lo interesante es pues que antes de su caída de caballo, Nicolás Gilbert va a publicar un poema que se titula el poema imitado de varios salmos, y que será conocido como la dieu de la vie, y que será conocido después como los adioses de la vida. Ulteriormente. Oui. Oui, c'est ça. Alors, ce poème, il était déjà publié avant qu'il fasse sa chute de cheval, et on prétend que c'est dans une cassette, que la clé qu'il a avalée, c'est la clé d'un coffret dans lequel il cachait ce poème, pour ne pas que les philosophes le prennent et le trafiquent. Y de cierta forma lo que sucedió con la leyenda que se construirá a partir de ese texto que publica Gilbert unos meses antes de su caída de caballo es que Gilbert había escondido la llave, se tragó la llave con la que se abría el cofre en la que él había escondido este poema que es el poema de los adioses a la vida. Alors. Ouais, j'y viens dans 2 secondes. Ce poème, ce fameux poème, en fait, pour la postérité, pour tous les romantiques et tous les hommes, les écrivains du 19e siècle, représente l'œuvre de génie, un poème absolument génial. En fait, le seul que la postérité va vouloir retenir, parce que tout le reste, on l'écarte, mais ce poème-là, on le trouve génial. Pourquoi? Parce que Gilbert, à la toute fin de ce poème, dit... Au banquet de la vie infortunée qu'on vive, j'apparus un jour et je meurs et sur la tombe où lentement j'arrive, nul ne viendra verser des pleurs. Donc c'est le pathétisme associé à la pauvreté et on va associer ce poème à son histoire personnelle. Finalmente, de la obra de Gilbert, el único poema que pasará a la posteridad y que será considerado después, durante el siglo XIX, por muchos románticos, es ese adioses a los adioses a la vida. Y por una razón en particular, porque al final de este poema, Gilbert dice al banquete de la vida, al que no fui convidado, muero solitario, etcétera, etcétera, etcétera. Y será incluso... interpretado como una especie de manera de... De legue, de Será un legado, pero también una façon de anticiper su suicidio, peut-être interprété de esta façon, ben, ce sa mort. Ce n'est pas un suicide, c'est ça qui est... Exacto, sa mort. una manera de anunciar su muerte de cierta forma. Mais ce poème porte sur la pauvreté, donc une pauvreté qui est revalorisée parce qu'elle est associée au génie. Donc, contrairement à la figure antérieure du poète crotté, là, Gilbert prend très au sérieux cette pauvreté et il l'associe au génie, comme dans son poème de 1772, « Le génie aux prises avec la fortune » ou « Le poète malheureux ».
Recuerden que la pobreza en la figura que habíamos visto antes, el poeta andrajoso, la pobreza era un objeto de risas y no era valorizada. Lo que sucede aquí, y esta es la estrategia de Gilbert, es que allí la pobreza, por el contrario, va a ser asociada al genio. Es tal vez entonces la primera vez que veremos valorizada la pobreza. Uh-huh. Donc ce poème, en fait, tous les poèmes qu'on retient pour la postérité, ils ont été écrits avant que Nicolas Gilbert fasse sa chute de cheval. Il n'était plus dans la pauvreté, il avait des protecteurs puissants. Recordemos que ya en ese momento él tenía protectores poderosos y ya no vivía en la pobreza, pero sin embargo la pobreza será valorizada como algo positivo, será asociada al genio. Mais la génération romantique, ce qu'elle va faire de cette vie, c'est qu'elle va associer l'histoire personnelle, elle va pas raconter la vraie histoire de Gilbert, elle va raconter l'histoire qui aurait dû être la sienne. Et lo más interesante es que las generaciones posteriores, la generación romántica, no va a contar lo que fue realmente la historia de Gilbert, sino que va a asociar la leyenda a la persona, que va a contar la historia como hubiera debido pasar. Alors c'est ce qu'on voit sur ce poème, sur cette toile de Raymond Monvoisin de 1832. On montre Gilbert en train d'écrire son poème génial, alors qu'il était déjà publié avant même l'accident. Mais on le montre dans l'agonie pour faire coïncider le dernier souffle avec l'inspiration. Et un exemple de esta association... Non. Aquí vemos a Gilbert muriendo en su lecho, agonizando en su lecho y sosteniendo en su mano este poema Los adioses de la vida. Sabemos, como lo he dicho yo, dice Pascal, que ese poema fue escrito antes de su caída de caballo. Sin embargo, se le representa aquí como escribiendo su poema en su lecho de muerte, como si fuera la expresión de su último aliento. Allí vemos entonces cómo se solidifica, o cómo más bien los románticos contarán esa historia, esa leyenda, es decir, cómo debió haber pasado la historia. C'est ce que je disais tout à l'heure, il ne faut pas, quand on entre dans le domaine des croyances, s'intéresser à ce qui est vrai et à ce qui n'est pas vrai, mais plutôt d'essayer de voir la circulation entre la manière dont on raconte de vraies histoires ou d'histoires de faits vécus avec des matrices narratives qui ont été construites à partir de la fiction et inversement, comment les histoires réelles peuvent inspirer ou transformer progressivement cette même matrice narrative. Donc, il y a une circularité. Estamos en el campo de las creencias y en el campo de las creencias lo que es verdadero y falso no importa, lo que importa es aquello que ya mencionaba hace un momento y esa circularidad entre la realidad y la ficción, es decir, cómo la realidad se alimenta del mito y inversamente el mito se alimenta de la realidad. Alors dans cette toile, en fait, tout converge. Le mouvement du regard doit suivre pour trouver la lumière. La lumière, elle va exactement sur le poème, fameusement le poème L'ode imité de plusieurs psaumes. Il y a la plume qui pointe vers le poème, il y a le regard de la religieuse qui pointe vers ça. Et quand on suit le mouvement, on se rend compte que les yeux de Gilbert sont vers le haut. Donc c'est le signal de l'inspiration et en même temps ce fameux poème qu'il va passer à la postérité, qui va le faire passer à la postérité. Hay toda una escenografía en este cuadro. Si ustedes se fijan bien hacia la derecha, la mirada de la hermana de la iglesia señala a Gilbert y allí podemos ver también una luz que se expande sobre Gilbert y la mirada de Gilbert perdida al horizonte, lo cual representa, tanto la luz y la mirada de Gilbert, la inspiración. Alors, la matrice narrative que se constitue entre 1772, année de la publication du fameux poème de Gilbert, et les années 1835-1840, où on voit apparaître, par exemple, les pièces d'Alfred de Vigny, les odes de Lamartine, les odes de Victor Hugo. Donc, il y a toute une série, il y a toute une production culturelle qui vont contribuer. Donc, personne, il n'y a pas un auteur qui est responsable de la fabrication de cette matrice. C'est un récit collectif. No hay una única persona que sea responsable de la matriz de este relato colectivo.
Podríamos citar, por ejemplo, toda la producción poética del primer romanticismo, las odas de Hugo, las odas de Lamartine, o las piezas de teatro de Alfred de Vigny, Stello y Chatterton, que van a reproducir este relato colectivo. Et on pourrait parler encore des biographies de poètes du passé, de ces listes d'auteurs, de Camoens, du Tasse. Y la lista es larga. Alors, c'est la grande figure, sauf que dans ce cas-ci, donc même si personne n'en est responsable, voici une figure qu'on associe très directement. Tout le monde connaît la figure de Gilbert au 19e siècle, tout le monde récite ses vers, parce qu'il est le héros des petits poètes sans génie qui accèdent au génie par le malheur. Aunque no podamos, aunque se trate de un relato colectivo, la figura de Gilbert será una figura que encarnará este núcleo tópico y todos los poetas del siglo XIX, especialmente de la primera parte del siglo XIX, van a reconocer en la figura de Gilbert esa asociación entre el infortunio y el valor. Pero no son todos los poetas del siglo XIX, sino los pequeños poetas, es decir, aquellos que pueden jugar su última carta, que no son buenos poetas finalmente, plumíferos, que van a poder asociarse a sí mismos a la figura de Gilbert, y decir, es en el último momento, en el momento de agonía, en el que yo escribiré mis más bellos versos. Et il va exister une autre figure parallèle dont je ne parlerai pas, mais qui est celle du génie qui est né génial. Hein? Victor Hugo va dire en quelque sorte, Gilbert, Humbert Gallois, un autre petit poète qui est mort de pauvreté, ceux-là ne naissent pas génial, mais grâce au malheur, ils accèdent au génie. Mais il y a des grands génies qui naissent géniaux, comme Byron, comme Shakespeare, mm-hmm. comme moi, Victor Hugo, et ainsi de suite. Hay una otra figura de la cual yo no voy a hablar en este momento, que es la figura del poeta que nace genial en sí mismo. Víctor Hugo hablará, por ejemplo, de esa figura del poeta que comparte paralelamente la escena literaria con esta figura que estamos viendo que no nace genial, pero que se hace genial gracias al sufrimiento y su infortunio. On va encore plus accélérer pour la deuxième partie, c'est-à-dire vamos a acelerar aún más para la segunda parte. On va complètement supprimer la traduction. Podemos suprimir la traducción. Les poètes hors la loi, tout ça, poubelle. Vamos a suprimir todos los avatares de los que íbamos a hablar. On va venir à la deuxième partie qui est celle de la structuration. Donc on va plus regarder les choses dans leur évolution, on va les regarder dans une perspective structurelle. Como les había dicho desde el inicio de mi exposición, yo quería primero mirar los diferentes avatares. Hemos analizado hasta el momento tres. Ya no vamos a analizar los otros, sino que vamos a venir a esta segunda parte, que es la parte en la que ya vamos a mirar cuáles son las matrices que nos van a permitir interpretar todos estos avatares de los que estábamos hablando en la primera parte. Dans l'ordre des croyances, rien ne naît subitement. En el orden de las creencias, nada surge súbitamente. Comme dans l'ordre de la chimie et du vivant, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Como en el campo de la química, nada se pierde, todo se utiliza, todo se transforma. C'est la même chose avec les croyances. Alors, cette connexion entre le génie et le malheur à la fin du 18e siècle, donc à partir du philosophe persécuté, du génie malheureux, etc., cette topic-là, elle repose quand même sur des croyances antérieures qui ne donnaient pas pour autant lieu à un mythe, parce qu'il y avait une conjoncture qui n'était pas favorable à l'émergence de cette croyance collective. Esta asociación entre el genio por un lado y la desgracia y el infortunio por el otro es una asociación que repose sur trois autres connexions spécifiques. Que reposa sobre tres conexiones específicas. Qui vont être alors d'un côté on va avoir et là c'est là où on se met à accélérer. Alors, la question de la mélancolie qui va voir apparaître donc, dès l'Antiquité et qui va se traverser les siècles, c'est une connexion entre une humeur noire, la bile noire, d'un côté, la douleur qu'elle provoque sur l'esprit, donc elle génère des maux du corps et des maux de l'âme, la bile noire, la mélancolie, mais en même temps,
selon Aristote et selon tous les médecins qui vont suivre, et les philosophes et les lettrés, elle provoque également l'illumination de l'âme et l'enthousiasme. Et esa conexión entre genio por un lado y la desgracia por el otro tendrá diferentes fuentes tópicas que se encuentran a lo largo de la historia. Esas fuentes tópicas son la enfermedad, como la melancolía, la persecución y la pobreza. En el caso de la melancolía no solamente está asociada a una causa desagradable, sino que la melancolía también será asociada a la genialidad, à la inspiration, à la authenticité. Oui. Alors cette inspiration, le premier à faire le lien entre la mélancolie, la bile noire, la souffrance d'un côté et la supériorité intellectuelle de l'autre, c'est Aristote dans le problème 31. En el problema 31 de Aristóteles, es él el primero en hacer la asociación entre la melancolía por un lado y la superioridad espiritual del hombre. Alors, on aurait des choses absolument fascinantes à dire sur cette question-là. On ne va pas les dire parce qu'on va passer à la topic suivante. Podríamos decir muchas cosas acerca de esta asociación, pero vamos a pasar al tópico siguiente. Alors, la deuxième des topics, c'est celle du manque, celle de la pauvreté, qui va être associée à partir des stoïciens, des philosophes stoïciens, mais également qui va transiter à travers le christianisme et qui va être reprise à la Renaissance. Cette association entre le dénuement volontaire d'un côté et l'authenticité philosophique ou de croyance de l'autre. El segundo tópico, que también viene de muy atrás, desde la tradición estoica, pero que va a atravesar toda la Edad Media y llegar hasta la historia, hasta el periodo que estamos contando, es el tópico de la pobreza voluntaria, en el que la pobreza será asociada a la autenticidad, a la virtud, a la independencia. Donc, un seul exemple, c'est Diogène dans son tonneau, hein, qui a beaucoup occupé le 18e siècle. On a constamment parlé de Diogène dans son tonneau, qui est un philosophe stoïcien qui n'a jamais rien écrit, mais dont on a beaucoup parlé et qu'on représentait qu'on représente avec une lanterne parce qu'il cherchait dans la ville quelqu'un qui puisse lui dire la vérité. Montrez-moi un homme sage. Et il avait choisi cette pauvreté pour être à même non seulement de dire la vérité aux puissants, mais de chercher le vrai. Una de las figuras que ilustra muy bien esta idea de la pobreza voluntaria como una manera de acceder a la autenticidad y a la verdad es Diógenes, que representamos aquí con una linterna que buscaba a quien pudiera decirle la verdad. Pero lo esencial de esa figura de Diógenes es que representa esa pobreza voluntaria que es asociada a la autenticidad y a la verdad. La dernière topic, c'est celle de la persécution et de la grandeur. Là encore, ce sont les philosophes stoïciens qui en ont parlé les premiers, mais également les pères de l'Église qui vont reprendre cette même logique et qui vont associer la question de la persécution à celle de la grandeur morale. Si on me persécute, c'est forcément parce qu'on me craint. Si on me craint, c'est parce que je suis grand. Et une des images, des métaphores qui va être utilisée, c'est celle de Pétrarque, mais qui va être réutilisée un nombre de fois incalculable, celle du vent. Les vents ne s'attaquent qu'au haut des montagnes. Donc, c'est plus haut nous sommes, plus nous sommes attaqués. Autre de los, de, el último tópico es el tópico que va a asociar la persecución con la grandeza. Básicamente lo que dice este tópico es que entre más grande soy, más perseguido seré, puesto que si me persiguen es porque me temen, y si me temen es porque soy alguien grande que va a decir o que dice la verdad, etc. Uno de esos grandes, o una metáfora que utilice Pasquí, ¿se metáfora? Por Petrarca, es la metáfora del viento. El viento solo se ataca a las grandes cumbres. Pero ya Séneca y todo. Es un tópico que, como los otros, viene también desde la antigüedad. Una imagen très, très usitée, celle de la grandeur liée. Es una imagen que ha atravesado toda la poesía, donc, los relatos. On a trois topics qui évoluent. Parallèlement, qui vont faire partie du discours médical, du discours philosophique, du discours chrétien, mais qui ne génèrent pas pour autant une croyance. Il n'y a personne, Molière, Racine, Corneille, au 17e siècle, ne pensaient pas que s'ils choisissaient la pauvreté, ils allaient y gagner.
Tenemos entonces tres tópicos que evolucionaban de manera paralela, que tal vez que no se cruzaban. Entre ellos, incluso Molière nunca tuvo la idea de asociar la pobreza a voluntaria, a la verdad o a la autenticidad. Alors, il se produit vers dans la deuxième moitié du 18e siècle, sous la pression de plusieurs facteurs conjoncturels, notamment la montée à Paris d'une masse de jeunes gens sans fortune comme Gilbert, qui cherchent la gloire par la littérature et qui vont s'encombrer à Paris et qui ont besoin, parce qu'il n'y a pas assez de place pour les reconnaître et pour les légitimer, qui ont besoin de récits légitimants. A mediados del siglo XVIII va a ocurrir un hecho esencial, y es que muchos de estos poetas que no poseen un capital económico, un capital social, van a ir a París para convertirse, o en todo caso, convertirse en autores, convertirse en poetas, pero la cuestión será que las plazas, los puestos que son provistos no son suficientes para todo el número de poetas que van a emigrar hacia París queriendo convertirse en autores. Es por esto que estos poetas, esta circunstancia histórica va a hacer que ellos tengan un interés en valorizar las márgenes, en valorizar la pobreza, en valorizar su precariedad social. Alors ces trois topics, en quelque sorte, qui évoluaient séparément, vont se fondre dans cette idée que le malheur donné, donc le malheur regroupe la persécution, la pauvreté, la mélancolie, et de l'autre côté, la valeur donnée, la grandeur, le génie, l'authenticité. Donc il va y avoir un fondu, une cristallisation, notamment autour donc, de la personne de Jean-Jacques Rousseau. Estos tres tópicos que hemos analizado van entonces a fundirse, van a cristalizarse en ese momento y conformando la creencia de que el poeta más desgraciado, más infortunado, es también el poeta más legítimo, el poeta más grande. Y el primero entonces que encarnará todos estos tres tópicos al mismo tiempo será Jean-Jacques, el poeta. El hombre de letras que encarnará estos tres tópicos que los cristalizará al mismo tiempo es Jean-Jacques Rousseau. C'est donc à cette période, 1770, vous voyez, de l'île de Sales, qu'on va se mettre à faire des regroupements de toutes sortes d'individus qu'on associe simplement par leur grandeur et leur malheur. Peu importe que ce soit des philosophes, des poètes, des hommes de guerre, des... Esta asociación entre el infortunio y la desgracia, por un lado, y la grandeza va a suscitar toda una retórica de la heroización que será aplicada no solamente a los hombres de letras, sino que será también aplicada a los héroes militares, a personajes científicos, todos aquellos que ingresarán al panteón. Et donc Jean-Jacques Rousseau va se trouver à cette même époque et la personne la plus en vue, donc il y a Voltaire d'un côté et Rousseau de l'autre, la plus en vue en Europe, qui va se trouver à incarner les trois topiques, celle de la pauvreté volontaire comme facteur ou comme levier de sagesse, celle de la persécution qui est le signal d'une grandeur et celle des maux de l'âme, de la mélancolie, qui est celle de l'enthousiasme et du génie. Para esa época, al igual que Voltaire, Rousseau es conocido en toda Europa, es él quien está en el fuego de los proyectores y será entonces él el que va a encarnar, por un lado, la asociación entre la pobreza voluntaria y la virtud y la autenticidad, que va a encarnar también esa asociación entre la persecución y la grandeza y que va a encarnar también este último tópico del que hemos hablado, melancolía como una fuente de inspiración. Donc à partir de ce moment où cette croyance devient véritablement collective, elle peut devenir un levier de légitimation. Y es justamente en ese momento en que esa creencia es compartida, que se convierte en una creencia colectiva, que transita en el imaginario social, que puede convertirse en una estrategia de legitimación para los autores. Et simplement en écrivant un poème, un essai, une auto-fiction, une autobiographie, en montrant mon malheur, ce que je suis en train de désigner implicitement, c'est également ma valeur.
De ahí que haya un paso a representarse, a ponerse en escena, es decir, a poner en escena su desgracia, su infortunio, puesto que al hacerlo se está diciendo también la grandeza que yo, o que a quien que lo hace, posee. C'est pourquoi on peut parler de mythe, donc la cristallisation des topics qui ne, en un mythe à partir de ce moment, et que ce mythe va donner lieu à plusieurs figures, à plusieurs poèmes, productions culturelles, argumentations, etc., au fil du temps, jusqu'à nous, qui continuons de transformer ce matériau topique pour en faire, avec Michel Houellebecq, avec plein d'autres écrivains, on continue de regarder des films sur Rimbaud, sur toutes sortes de poètes maudits. Donc, on continue de consommer ce matériau topique. Et c'est cette cristallisation, finalement, la que constituye ce grand relato del que nosotros vinimos a hablar aquí, que es el relato del poeta maldito, que va a declinarse a lo largo de la historia en diferentes figuras que pasarán por los poetas que hemos visto y que llegarán, gracias a una serie de discursos, relatos y representaciones, hasta nuestra época actual. Nosotros mismos seguimos reproduciendo el mito, por ejemplo, en la figura de Michel Houellebecq. Alors, voilà, merci, on va arrêter ici. Muchas gracias por su... Comment? Me dicen aquí que podemos hacer únicamente dos preguntas. Es muy difícil que elija, sí, entonces el primero que alce la mano. Te escuchamos. Jorge. Puntual y si algo hacemos una traducción. El problema de la autenticidad en la relación literaria, de lo auténtico entre vida y ficción, que es parte central como del premio de la desgracia, en el siglo XIX también, y esta es la pregunta, ¿crees que la exacerbación del problema de la autenticidad tiene que ver con la decadencia de la crítica literaria biografista? O sea, por ejemplo, exceso del uso de este tópico del cruce entre ficción y vida hace que de alguna forma en tiempos de Proust haya una imposibilidad de seguir hablando de literatura así, de ahí la idea de contra Saint-Bock y contra ese tipo de crítica particular. O sea, ¿es esto que ayuda a preparar el camino a una crítica que no quiere ser biografista? Je crois comprendre la question. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que même si... Oui, non. Mais même s'il y a, even if we have those topics that evolve all the time, même s'il y a ces topics, il y a néanmoins des contre-topics, c'est-à-dire qu'on va continuer. Les poètes n'arrêtent pas tout à coup de dire que la pauvreté est un malheur. Mais quand ils veulent donner du sens à cette pauvreté, le mythe est là pour les consoler et pour essayer de les revaloriser. Donc, comme Nietzsche le disait, la pire des souffrances, c'est celle qui n'a pas de sens. Donc, les topiques sont là comme des vérités possibles et probables, fondées sur des siècles de discours, pour à la fois me consoler d'un point de vue anthropologique personnellement et pour me revaloriser aux yeux d'autrui. Hay básicamente dos funciones que cumple este mito. Por un lado es la función de la consolación, es decir, si otros sufrieron y eran grandes y yo sufro, pues entonces es porque yo también soy grande. Y una segunda función del mito sería de servir como estrategia de legitimación para aquellos que encontrándose tal vez sin el padrinaje de las élites o en una situación de precariedad social, van a utilizar este mito para valorizarse y posicionarse en la escena literaria. Pero yo creo que tu pregunta a mí me parece muy interesante. Yo estaba hablando sobre eso justamente esta mañana en un seminario y quisiera que lo discutiéramos después porque yo sé hacia dónde vas.